Parlez Weberic, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le deuxième épisode du QSG. On perd pas de temps chez José. Beaucoup de vidéos en ce moment, j'avais envie de m'y remettre, franchement. Allez, tout de suite, je vous laisse avec la conf de presse et on se retrouve après pour parler. Et voir les images du prochain match de la Coupe d'Europe. Ici au Groupama Stadium entre l'OL et Benfica, on est spécialement dans cette salle parce que je vous l'avais dit sur la dernière vidéo, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. J'ai supprimé la facecam comme un con, j'ai pas fait gaffe, je croyais que c'était d'autres fichiers que j'avais déjà monté. Et donc voilà les amis, je m'en excuse. Allez, c'est parti le match, OL Benfica, la Ligue des Champions, on espère gagner. Bon, c'est dans le désordre, hein, les matchs de phase de poule de la Coupe d'Europe de cette année. C'est pas moi, c'est le jeu, hein. Après on peut pas choisir cet ordre malheureusement. Et là, ouverture du score. Voilà, l'Olympique Lyonnais mène 1-0. On est déjà devant, ça fait plaisir. Youhou! Alléluia! On voit les étoiles de la Champions League. 1-0. Et mais attention, attention à l'erreur. Donc je m'excuse, j'étais nul un peu au début de jeu. Ça va un peu mieux, je trouve. Depuis que j'ai rejoué un peu, j'ai joué un peu à FUT. Là, c'était un des premiers matchs que je faisais aussi. Donc, comme sur la dernière vidéo. Donc, un des premiers, il a fallu quand même aller au mois de septembre avec la carrière, mais c'était des premiers matchs, vraiment des gros matchs face à des équipes égales à nous dans le jeu, parce que si vous tombez face à Angers et puis que vous êtes l'OL, c'est trop facile, il n'y a pas de niveau, voilà. Allez, peut-être 2-0, 2-0, ça ferait chapeau pour la team José. Voilà, quelle occasion. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si je ne l'ai pas dit au début, parce qu'à 1000 abonnés, je fais gagner un FIFA, voilà. Le carfouillage Anto Lopez, qui en ce moment n'est pas très bien dans son assiette. Bon, c'est pas trop de sa faute, le but face à Toulouse, week-end dernier, mais voilà, ça fait que deux erreurs, on va dire, comme ça, mais malgré que le dernier n'est pas obligé, de toute façon, n'est pas à 100% de sa faute, alors que l'autre est à 100%. Oh, le deuxième but, 2-0, c'est signé, Jeffren, Adelaide. Donc oui, donc dans le jeu, ça va. On espère que Lopez va se reprendre, il passe à un mauvais passage, là. Voilà, mais Lyon va un peu mieux, en tous les cas, dans la vérité. Lyon va très bien dans le mode FIFA, là, on est la meilleure défense du championnat, et la meilleure attaque, je ne sais pas, peut-être pas à ce moment-là, de la saison, but, là, égalisation. En tous les cas, je sais que si on est la meilleure attaque, autrement si je vous ai spoilé, désolé. Et on est très bien, on n'a toujours pas perdu de match, hein, pour vous dire, au moment de Benfica. Est-ce que ça va continuer? Je le sais, mais je vous le dirai pas. Voilà, alors continuons. Vous avez pu voir d'ailleurs sur les confs de presse que j'étais sympa à motiver mes joueurs et à pas les casser. J'essaye que leur... peut-être carton rouge. Attention, qu'est-ce qu'il va siffler? Bah oui, je savais qu'il y avait rouge. Je faisais des ironies. Marco Sassenso expulsé. Donc c'est dommage, enfin c'est pas, non, c'est dommage sur rouge. Donc bref, oui, j'essaie d'être assez assez dans mettre mes joueurs heureux. Voilà, fin de ce match dans quelques instants. Ouh, la dernière occasion de la transversale. Voilà, à tout à l'heure pour la suite.
Donc les amis, c'est le match face au Paris Saint-Germain. Tout de suite, le choc, c'était dans la même semaine. Hein, le match de Coupe d'Europe et de Paris Saint-Germain, en vérité, c'était Leipzig, il me semble. Ou Zenit, c'était Zenit, c'était le premier match. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Donc tout de suite, le match face au PSG. C'est parti, le président Tico, comme j'ai les renommé moi dans la vérité, l'Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain, Paris qui est 14e il me semble de la Ligue 1 au moment de ce match. Je vous en dirai plus sur les classements, d'ailleurs je pense que je mettrai au montage à la fin, on ira le voir. Allez, c'est parti le contre, oulala, première occasion, peut-être l'ouverture du score là-dessus, la PES, comme une pute, j'ai fait, excusez-moi du mot, et l'ouverture du score pour l'OL, qui est toujours invaincu, on vous le rappelle, de plus en plus la victoire face au Benfica Sporting Lisbon. Et encore en plus, et à quelle occasion. Donc, on est bien pour l'instant dans la carrière, elle mène bien. Bon, est-ce que ça va être lassant si on gagne tout? J'essaierai peut-être d'augmenter le niveau, gagner tout. Enfin, il y a quand même pas mal de mules parce qu'on n'est pas leader de la Ligue 1 à ce moment-là. Mais voilà. Wow, l'égalisation parisienne. Attention à l'erreur. Ah non, ça part bien. Magnificos. Magnificos. C'est passé, on espère un but, et le centre dans la surface, et le but, et le but, et le but, et le but, pour l'Olympique, c'est Moussa Dembélé. Donc après, est-ce que mes joueurs vont tenir, parce que franchement, on n'a pas beaucoup de réserves, comme j'ai vendu pas mal de joueurs qui m'énervaient. Allez voir le premier épisode pour ça, on va voir, j'osais vous dire tout dans le premier, attention, penalty. Oh le poteau, ça fait heureusement, et là, oh l'erreur de la défense, l'arrêt d'Anthony Lopez. Donc on peut parler foot aussi, si vous avez des sujets à parler dans certaines vidéos, dites-le moi les amis. J'ai essayé de reprendre parce que je vois qu'en plus ça intéresse de plus j'ai repris. À chaque fois qu'il y a des reprises, j'ai osé parce qu'il y a eu des temps calmes. On reprend bien avec beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, etc. Ça plaît. Donc voilà, l'objectif c'est les 1000 pour vous faire gagner un FIFA, les amis. Donc, je vous l'ai dit, mais aussi c'est pour que j'ose, ça aille mieux et vous faire des vidéos encore plus de qualité avec la monétisation des vidéos et de la chaîne matos de partout. Parce qu'on est quand même à beaucoup de matos investi et pour l'instant. Il en faudra encore un peu du matos. Ah, la parade. Eric, c'est très bien ce que j'ai. Il y en a qui aimeraient bien l'avoir, je suis conscient. Ou même le nombre d'abonnés que j'ai. Et je vous en remercie, les amis. Avec le corner tiré par Memphis, mon chouchou, avec Lucas Touzard à l'OL, mes deux joueurs préférés. Et on va mettre en troisième Anthony Lopez, c'est mes trois joueurs préférés. Voilà, souvent ils cassent Lucas Touzard, certains, mais la stat, elle est là. Hein. L'OL a perdu que. Deux matchs avec Lucas Touzard en tant que titulaire. Et moi, je pense qu'il faut qu'il soit titulaire. Voilà, donc dans le jeu, j'ai Delaney. J'essaierai, j'ai une idée dans la tête, peut-être pas dans les prochains matchs, puisque ça sera déjà passé, mon idée. J'aurai pas mis en place. Quel but magnifique. Mais une petite idée pour voir comment est-ce que ça peut marcher. Allez. On va arriver dans le dernier quart d'heure, ça y est, on y est, l'Olympique Lyonnais s'impose pour l'instant face à l'ogre parisien, l'ogre qui est mal en Ligue 1 en ce moment dans le jeu, d'ailleurs aussi avec la défaite face à Dijon dernièrement, je sais pas quand la vidéo sortira, donc peut-être qu'ils se sont relevés, oh le cafouillage, alors là je me demandais s'il n'y avait pas en jeu, j'ai essayé d'arrêter l'image mais je vois pas bien sur ce but, mais donc j'espère que Paris pour eux vont se relever même en Coupe d'Europe surtout. En championnat, s'ils perdent 5 matchs, 6 matchs et que Lyon les gagne, ça nous arrangerait. Comme ça, on revient. Impossible n'est pas lyonnais, comme on dirait. Allez,
peut-être une des dernières occasions, quelle occasion. Donc voilà les amis, tout de suite la conférence de presse hein, qui va nous intéresser, attention à ne pas prendre de but. Je vous laisse avec la conf de presse et à tout de suite les amis, à tout de suite. Classement de la Ligue 1, Lyon 8e de la Ligue 1, à peu près comme Lyon en vérité en ce moment, au moment où je tourne. Nantes 1er, voilà, Saint-Étienne 3e. Donc c'est tout, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Pour voir le classement, n'hésitez pas à mettre des pauses. Hein. Et je vous dis, Kishel Pali, à la prochaine, salut!